forcément Paris International, donc je vais vous présenter brièvement le topo pour que vous sachiez où est-ce qu'on va. Alors Paris International est une foire qu'on appelle satellite, elle se passe en même temps que la FIAC, et cette 6e édition, contrairement aux années précédentes où elle s'est déroulée dans un ancien hôtel particulier du 19e siècle, va se passer cette fois-ci dans une ancienne supérette. Oui monsieur, oui madame. Pourquoi aller à cette foire en particulier? Alors, personnellement, je pense que Paris International est une des foires à voir dans le monde, au moins une fois. Première raison, c'est que Paris International change du White Cube ou des différents stands que nous avons l'habitude de voir. Elle réinterprète l'espace pour justement pouvoir donc accrocher des œuvres dans des endroits un petit peu impromptus en fait. Secondo, Paris International rassemble vraiment de chouettes galeries, et plus particulièrement des galeries émergentes. Paris International regroupe, on va dire, la crème de la crème des jeunes galeries et des jeunes artistes. Alors en général, on est sur des galeries qui ont un peu moins d'une dizaine d'années maintenant, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous y emmener avec moi. Alors, personnellement, ça va pas être la première fois que j'y vais, ça va être la quatrième fois, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à pouvoir la découvrir, et puis nous parlerons avec quelques exposants aussi. J'arrive dans un quart d'heure à Paris, à tout à l'heure. Je sais pas pour vous, mais j'en peux plus de ces masques. En tout cas, ça y est, enfin arrivé à l'hôtel, je suis à Paris, je suis à même pas deux blocs de la foire. Ben, je vous propose qu'on y aille directement maintenant. Allez! Donc là, on est sur une sculpture en céramique de Zoé Williams. Avouez que ça donne envie de toucher quand même. Cette matière... Je sais pas, regardez. Donc là, nous nous tenons devant deux nouvelles œuvres de l'artiste Matisse Collins. C'est un artiste qui habite à Paris et très sincèrement, surtout le buveur d'absinthe qui est ici, ça faisait un moment que je voulais la voir en vrai, donc voilà. Sincèrement, j'adore. Voilà le coup de cœur de cette foire et cette découverte, étant donné que je ne connaissais pas cet artiste. C'est l'artiste Daichi Takagi, qui a réalisé ce tableau-là, mais également ce petit corbeau qui m'a tout particulièrement plu. Ça, c'est mon gros coup de cœur pour cette édition de Paris International. Bien sûr, il y a également les œuvres d'E.C. Wood, qui sont toujours aussi magnifiques et toujours aussi rapidement réservées avant même que la foire ne débute. Mais voilà, maintenant il est temps qu'on aille retrouver notre exposant. Hey, Roby. How are you? Hi, Damien, how are you? Right. All right. Tell me about Matisse. Okay, yeah, sure. We're showing three works by Matisse Altman. He's a German artist who's based now between Berlin and Zurich. He was in LA for 5 years. For the fair, we're showing this Pharmacy Cross, which is one of three works that were originally made for an installation at Art Basel for parkour. The work is called Power Lifestyles. And what you see in this video is a conflation of labor and leisure, and you know what Matisse is sort of examining is the distinction between labor and leisure is often blurred. Basically, he's taken these pharmacy crosses, which are of course ubiquitous in Paris. You see them everywhere in front of every pharmacy. There are these LED monitors, mm-hmm. and he's reprogrammed the content with a computer software, okay. and he sort of mixed different material together, found material and different animated GIFs and ambient visuals. Mm-hmm. There's a second work here. It's a work that was made specifically for the fair. Okay. It's called Soft Skills, mm-hmm. which refer to emotional intelligence. Thank so you. In the workplace, soft skills are those that are related to interpersonal communication, mm-hmm.
having empathy and so forth. Yeah. More and more. And do you know if he will have a new show soon? Here in France, I mean. Right now, he's actually participating in a group exhibition at the Centre Culturel Suisse. It's a fantastic show about Anne-Marie von Matt, who was a Swiss artist who has long been deceased, but the curator has positioned her work alongside several younger artists who are working today, including Matisse, and he's got three works in that show. It's up until November 15th, so it's a really excellent show. And then hopefully at some point I'll show his work again in In Paris, in a brand new space. Brand new space, exactly. Yeah. Thank you very much. You're very welcome. Bon, alors sincèrement, j'ai trouvé la foire vraiment chouette. J'ai adoré ce retournement de situation, d'en faire une sorte de grosse exposition collective. J'espère aussi que cette introduction aux travaux de Matisse Altman de la part de Robbie vous ont plu. Et remercions-le pour cette présentation de ses œuvres d'ailleurs. Et maintenant, il est temps de retourner à l'hôtel. Donc nous avons pu voir la raison ou le pourquoi de cette petite excursion parisienne qui va me faire repartir demain. Alors, parlons-en de cette foire. Personnellement, j'ai réellement apprécié ce qu'ils ont réussi à faire et pourtant c'était relativement mal parti avec les restrictions liées au Covid, que ce soit les restrictions territoriales au niveau des frontières. Ensuite, il y avait toutes les restrictions sur le nombre de personnes qui pouvaient rentrer au sein de la foire. Et pourtant, alors que, par exemple, le Big Boss du Game, la FIAC, a été annulé, eh bien pourtant, ils ont réussi à faire quelque chose d'à la fois conséquent, intéressant et borratif. Laissez-moi vous expliquer. Le système qu'ils ont choisi d'employer, contrairement aux autres années où, étant donné qu'on va prendre les deux années précédentes, chaque booth, chaque stand, était décomposé via le nombre de pièces qu'il y avait dans cette hôtel particulier, donc il y avait des salles communes où plusieurs galeries pouvaient se partager l'espace, et puis il y avait des salles de bain, et puis il y avait des chambres où en général se concentrait une seule galerie pour ces pièces à la taille plus modeste. Ce qui est absolument intéressant et un système que j'apprécie tout particulièrement, au lieu que ce soit des expositions au sein de la foire, nous étions sur une exposition. En effet, le parti pris a été de plutôt que de continuer sur cette configuration-là, et étant donné que pas mal de galeristes ne pouvaient pas se déplacer, l'idée, la configuration a été de réaliser une seule grosse exposition. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de booth, les œuvres étaient toutes mélangées entre elles, je veux dire, il y avait une scénographie comme ça pourrait être dans une exposition, tout ce qui est plus classique. Mais surtout, ce que j'ai trouvé réellement amusant a été le double sens du titre aussi. Alors, pour ce double sens, donc, cette édition s'appelait le Super Salon. Donc super, parce que les locaux qui accueillaient la foire sont les locaux d'un ancien supermarché désinfecté. Merci à la demoiselle du staff qui a pu m'indiquer que c'était un Aldi de par le passé. Et puis salon, parce que bien entendu, l'inspiration venait également des salons parisiens. Donc, ça, c'est un premier détail que j'ai trouvé amusant. Même si pour le coup, ça ne se cache pas, une foire, supermarché, on comprend le truc. Mais l'idée de Claire Le Restif, qui est la conservatrice ou la commissaire en chef, je ne sais plus exactement, du CREDAC, a réellement su trouver le compromis parfait pour que, d'une part, la foire puisse se maintenir, malgré les événements, et en faire quelque chose, comme je le disais, de réellement intéressant. Donc il y a ce titre que je trouve amusant, et puis et au niveau de la programmation, en parlant des tableaux que nous avons vus tous ensemble, 20 les œuvres de Daichi Takagi, donc un artiste représenté par la galerie Kayo Koyuki. Et là vraiment, c'était un artiste que je découvrais, je ne connaissais pas du tout son travail jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai réellement apprécié cet aspect, on va dire, calligraphique, alors d'une part assez minimaliste finalement, parce qu'on est sur des peintures figuratives, mais qui d'un côté, via le tracé, la ligne, pourrait paraître
quelque part un petit peu abstraite, hein, par cette économie de moyens au niveau de, des lignes. Pas au niveau des couleurs, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, même si nous étions souvent sur une teinte chromatique assez, assez similaire. Mais réellement au niveau de la ligne, du tracé, et qui était réellement... qui définissait parfaitement ce qu'il voulait montrer. Donc voilà, c'était une bonne journée, il faut dire, et j'ai hâte d'être à demain par rapport à cette exposition qui va avoir lieu à Montreuil dont Roby m'a parlé, qui, à mon avis, va bien dépoter, et on va aller voir ça demain. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Déjà, dites-moi ce que vous pensez de ce que nous avons vu aujourd'hui, et puis, en attendant, justement, portez-vous bien, passez une bonne soirée. Abonnez-vous, lâchez un like, ça fait plaisir, et surtout, ça m'encourage dans cette tâche... d'essayer de documenter l'art contemporain. Ça me motive, ça m'encourage et en même temps ça me fait absolument plaisir. Donc n'hésitez pas, le monde serait parfait. En attendant, portez-vous bien, passez une excellente soirée et puis à demain. Ciao.